tout le monde, bienvenue à la petite vidéo de Zumba Gold. Je vous avertis, il y a beaucoup de nouveaux. Il y a seulement deux chansons que vous avez déjà faites. Par contre, vous allez avoir le temps de les apprendre et ne vous gênez pas pour les adapter. Okay? Si moi je lève les mains vers le ciel et vous, vos épaules ne veulent pas, ben, vous levez moins haut. Si je fais des squats, vous penchez moins bas, vous vous arrangez pour que ça reste confortable et agréable. Je rappelle, petit détail, dans la première chanson, il va y avoir des squats. Faire un squat, c'est pas plier les genoux, c'est reculer les fesses, OK? Alors vraiment, là, vous faites moins loin, mais vraiment un mouvement vers l'arrière pour que vos genoux ne dépassent pas le bout du pied. C'est bon? On commence avec un échauffement, vers la part émotionnelle. C'est parti! Ouais! Deuxième chanson, Viva la Musica. Okay.
Alors, dans celle-là, c'est une salsa. Vous connaissez, la plupart des gens connaissent la salsa. Si on n'a pas le pas exactement, c'est pas grave. La seule chose que je veux éviter, c'est les douleurs aux genoux. Souvent, le pas derrière, on le voit comme ça avec quelqu'un qui recule beaucoup le pied derrière, ça fait une torsion sur le genou. Okay? Si le genou est fragile, puis que moi je me laisse emporter, puis que je fais presque un demi-cercle, essayez de résister. Contentez-vous de reculer le pied derrière sans le mouvement en rond pour éviter des tensions sur le genou. C'est bon? Viva la música, y me la paso bailando yo, me la paso bailando. Viva la música, es un trompeta sonando, todo el mundo bailando, en mi cama y esta mala que no te levanta, y la gente nunca deja, nunca deja de bailar. Sur le talon. Coup de pied, orteil derrière. Okay, si on donne un coup de pied vers l'arrière, souvent on fait se faire mal au dos. Alors c'est un geste qui va revenir souvent. Kick derrière, V, petit coup d'orge. C'est bon? Vous allez voir, et. Thank you.
attention. Aussi, alors ça, c'est mieux que ça. Okay? Arrangez-vous vraiment pour avoir une bonne posture. C'est parti! On lève quatre fois la jambe droite. Vous pouvez poser le pied aussi si c'est trop difficile. Un petit peu de côté, on claque les doigts. Vous pouvez voir vers l'avant. Et on claque les doigts encore. Un petit peu de chaque côté. Thank you.
tango, on travaille l'équilibre. Pour les personnes qui ne l'auraient jamais fait, je vais expliquer un petit peu le croisé. Je commence en allant par là-bas. Je vais prendre la jambe qui est de l'autre côté. Je la croise devant. J'ouvre, croise derrière. Ensuite, je recule. Lent, lent, vite, vite, vite. Je vais par là-bas, je vais prendre la jambe du côté opposé. Croise devant, croise derrière. Là, je vous avertis. La deuxième fois que je vais le faire, lent, lent, vite, vite, vite. Je vais croiser plus vite. Devant, derrière, devant, derrière. OK? Je reviens avec. C'est parti! Mon genou n'est pas mon pied.
On peut se tenir, faire des petits mouvements avec les bras.